Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et je suis heureuse de vous accueillir sûrement d'un peu partout en France. Vous pouvez nous dire d'ailleurs d'où vous venez, d'en France ou encore un peu plus loin. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Danielle Manavi, experte bien-être, et je vais vous parler dans quelques instants du thème que nous allons aborder. Déjà, bonsoir Danielle. Bonsoir Charlotte et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en direct et puis qui nous regarderont en replay et ou bonjour. Tout à fait. Bonsoir aussi à toutes les personnes qui vont nous regarder aussi en replay. Alors, je ne sais pas si vous avez des petits soucis de peau, la peau grasse, la peau sèche, de l'acné, d'autres boutons ou encore d'autres manifestations. En tout cas, si vous en avez ou si vous connaissez des personnes qui ont des problèmes de peau et qui commencent vraiment à leur gâcher la vie, vous savez, ces imperfections qui créent aussi un mal-être et qui plombent l'énergie, eh bien, vous êtes au bon endroit puisque ce soir, Danielle Manavi vient nous parler justement de ces imperfections et comment les gommer avec ce qu'elle appelle la baguette magique yin-yang. Et oui, la baguette magique, parce que vous allez voir que ça peut être assez simple et très efficace d'aller explorer les causes du problème de ces imperfections grâce aux ressources de la médecine traditionnelle chinoise, puisque Danielle est une experte depuis plus de 30 ans. Souvent, on pense aux cosmétiques, on va penser à tout ce qu'on va pouvoir améliorer avec des nettoyages de peau, des gommages, des crèmes, etc. Mais rarement, on s'intéresse aux causes. Eh bien, ce soir, nous allons aller un peu plus loin sur les causes, justement, et sur la médecine traditionnelle chinoise qui est basée sur l'harmonie et la libre circulation de l'énergie que l'on appelle le qi. Et avec tout cela, eh bien, ce soir, vous allez avoir des clés pour améliorer justement la situation. Lors de cette conférence, Danielle va nous parler de comment la peau est en lien notamment avec les cinq énergies, les cinq éléments, le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau. Nous allons découvrir ça, tout ça ce soir. Nous allons aussi voir comment les énergies, les émotions et, impactent finalement sur la peau et comment on peut retrouver la peau qui nous convient et aussi une plus grande vitalité et un plus grand confort intérieur en suivant certaines pratiques. Un très beau programme comme d'habitude avec Danielle et en plus c'est le début d'une belle série. Vous allez voir, je vous en parlais un peu plus tard, mais Danielle nous propose eh bien, une série comme ça qui aborde justement la beauté, la peau, les cheveux, etc. Et là, on commence par cet atelier sur les imperfections de la peau. Alors, bienvenue à vous et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et je les transmettrai au bon moment à Daniel. Donc, Daniel, est-ce que déjà tu peux, pour les personnes qui te découvriraient, même si tu reviens régulièrement sur l'Académie de la Nouvelle Vie, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots avant de commencer à parler de ces imperfections? Alors, je suis donc coach de mieux-être et j'utilise donc les outils de médecine traditionnelle chinoise depuis les années 85-90 en fait. J'ai donc utilisé tout au long, on va dire, de ma vie professionnelle concrètement avec une clientèle en cabinet et tout ce dont je vais vous faire part. Donc, ce que je vais vous transmettre, au-delà de principes, ben, c'est aussi des choses que j'ai pu expérimenter, qui ont fait leurs preuves. Et je pense que tout ça va vous plaire beaucoup. Et je suis également sophrologue, donc c'est pour ça que j'insiste quelquefois sur la partie psycho-émotionnelle.
et je le relie donc, ben, en règle générale, toujours à l'énergétique. Oui. Merci Daniel. Et puis, à la fin quand même, je ne vous l'ai pas dit, mais à la fin de cette conférence, Daniel nous réserve trois secrets, trois pépites de la médecine chinoise, eh bien, pour justement amorcer une nouvelle manière de prendre en charge votre peau. Alors, soyez patient et restez avec nous jusqu'à la fin. Merci en tout cas pour vos retours. Je vois qu'il y a déjà des questions qui commencent. Ce que je vous propose, c'est de laisser commencer Daniel avec justement, eh bien, les imperfections de la peau et comment c'est relié à la médecine traditionnelle chinoise. Et puis petit à petit, je transmettrai les questions. À toi la parole, Daniel. Allez, on y va. Alors, la peau est reliée donc à plus particulièrement donc à une énergie dans les cinq énergies. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, on a deux grandes lois, la loi du yin et du yang, qui est la plus connue, avec la libre circulation dans des énergies, et la loi des cinq éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, donc en fait, qui sont des représentations de fonctionnement dans le corps de l'organisme, tous rattachés à des méridiens, à des fonctions, à des organes, à des émotions. Et en fait, la peau, elle est reliée à l'énergie du poumon, du gros intestin et à l'énergie du métal. Voilà. Mais en même temps, elle est le reflet, et donc se manifeste au niveau de la peau. Tout ce qui se passe aussi dans les autres éléments, c'est-à-dire au niveau du bois, du feu, de la terre, de l'eau, également, et ça vient s'exprimer sur le visage dans des zones particulières du visage. C'est-à-dire quand on regarde ben, le visage, selon l'endroit où on va avoir des imperfections, selon l'éclat de la peau à un endroit, à un autre, ben, ça va pour nous dire. Ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Selon que c'est déshydraté, que c'est terne, qu'il y a des boutons, qu'il n'y a pas de boutons. Voilà, tout ça va parler. Voilà. Donc, je prends un exemple. Par exemple, au niveau du méridien du front, eh bien, en fait, on a vraiment tout plein d'indications. On a le méridien vésiculo-biliaire qui passe de la vessie, de ce que l'on appelle le méridien vaisseau-gouverneur. De l'énergie de défense hein, aussi du corps. Et donc, tout ça voilà, se reflète rien qu'au niveau du front. La couleur au niveau du front est reliée à l'énergie du cœur, hein, dans le sens du teint à cet endroit. Les zones réflexes ben, qui sont là en arc hein, tout le tour. Ben, représente donc les bras, les poumons, il y a le foie également, il y a une partie de la zone des genoux, des reins, tout ça, c'est ensemble, voilà, rien que tout ça, rien que sur le front, c'est énorme, voilà, en fait. Et en fait, donc comment ça se passe? Et ben, en fait, on dit que l'éclat du teint, et donc la partie de la conscience vient se refléter dans l'éclat du teint. Quand on regarde un visage, donc en fait, ben on voit quoi qu'il y ait sur une personne âgée, sur voilà quelqu'un qui a, ben on voit se manifester ben, un éclat, on va dire, et quelque chose qui émane, hein, qui vient du mental, qui vient de la conscience également. Bon, il y a bien sûr les expressions, hein, les émotions qui peuvent s'exprimer, voilà. Mais il y a aussi cette partie. Et du coup, comme cette partie vient s'exprimer naturellement au niveau du visage, de la tête, forcément, quand il y a des tensions, quand il y a du stress, quand il y a une vie ben, trop devant l'ordinateur, on va dire, enfermée plusieurs heures par jour, ben, il y a des stagnations qui se font, hein, en fait, ben, dans les zones donc, du corps. Et
Bon, ça s'ajoute à d'éventuels problèmes de santé, à des déséquilibres émotionnels plus ou moins bien gérés. Et ça peut se rajouter aussi sur un terrain de naissance qui est plus ou moins déséquilibré. Et tout ça, ben, voilà, tout ça se mélange et tout ça se manifeste donc en fait ben, au niveau de la tête et au niveau du visage. Alors, pour ce qui est des boutons, on va dire tout de suite, donc en fait, on sait que la peau produit une matière huileuse naturelle hein, pour qu'elle reste souple et pour la protéger du froid et du soleil. On l'appelle le sébum. Et donc ça, c'est, voilà, les dysfonctionnements vont se manifester aussi à travers cette fonction donc, du sébum. En trop, pas assez, par endroit, bon, voilà, il va y avoir tout ça. Et par la dilatation des vaisseaux, avec les rougeurs plus ou moins, avec les vaisseaux sanguins, ça va être comment dire, deux canaux par lesquels les problématiques vont s'exprimer au niveau donc, du visage. Alors bon, il y a des fois, quelques problèmes de peau peuvent avoir des origines importantes reliées à des maladies, mais le plus souvent, donc en fait, ben, c'est tout simplement des déséquilibres énergétiques hein, qui sont là. Et ce que vous ne savez pas, c'est que certains déséquilibres seront là tout le temps parce qu'ils sont reliés au moment de naissance. Par exemple, je donne les personnes qui sont nées une année du cheval, c'est l'énergie du cœur hein, en fait, qui est favorisée cette année-là. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de midi minuit au moment de naissance, entre autres, qui fait que quand il y a un plein de yang dans une énergie, eh bien, il y a très peu de yang, voire un vide de yang dans l'énergie qui est en face dans l'horloge énergétique. Et ce qui est en face, eh bien, c'est la vésicule biliaire. Donc, toutes les personnes voilà, qui sont concernées, je donne cet exemple comme ça là, hein, par une naissance l'année du cheval, ben, il va y avoir automatiquement un affaiblissement toute la vie sur la force de l'énergie vésiculaire. Et on sait que ça impacte la peau, par exemple. Donc, ben, déjà, voilà, ça fait quelque chose que l'on peut comprendre par le moment. Voilà, de naissance. Et c'est exactement pareil pour le gros intestin, pour tout le reste. Mais on n'a pas l'habitude d'en parler en Occident, hein, de ces choses-là. Et pourtant, ça reste quand même important. Après, on parle du stress. Alors, le stress, ben, il fait sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, donc, notamment. Et qui, hélas, fait que cette hormone favorise la multiplication de la sécrétion de sébum, hein, en fait, au niveau de la peau, avec une réaction pro-inflammatoire reliée. Donc, plus il y aura de stress, plus cette partie donc, du sébum donc, va être, comment dire, suractivée, on va dire. Alors, il peut y avoir, voilà, dans les problèmes de boutons, plein de types de boutons hein, qui existent. Il y a des rouges, il y a des pustules, il y a de l'eczéma, il y a du psoriasis, des urticaires. Il y a les points noirs qui sont un excès de sébum hein, qui s'oxyde au niveau de la peau. Il y a vraiment tout plein de choses. Il y a quelques maladies importantes dont on ne va pas parler ce soir et qui ont des manifestations donc, ben, au niveau de la peau. Hein, ce n'est pas le propos, on reste dans le domaine de la beauté nous, ce soir. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir voilà, des manifestations au niveau de la peau qui sont en lien avec des maladies beaucoup plus importantes. Après, il y a les maladies contagieuses aussi. Bon, là aussi, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, les piqûres hein, de moustiques, ça tout le monde voilà, y pense effectivement, ou d'autres On sourit parce que justement, je t'ai posé la question juste avant et Esmeralda pose aussi la question. Donc, c'est une question qui revient quand même, justement, ces cicatrisations et notamment de piqûres d'insectes et autres. Oui.
Donc, la cicatrisation, c'est à part de la. Voilà, dans le sens piqûre, on parlera cicatrisation à part. Ça peut être des réactions de médicaments hein, qui se manifestent par des boutons, une intoxication alimentaire aussi, par temps chaud, des réactions, ce qu'on appelle les boutons de chaleur, hein, tout simplement, parce que la sueur ne peut pas. Ne peut pas sortir, des problèmes hormonaux, l'approche des règles, des excès alimentaires. Bon, il y a plein de choses, donc, vous voyez, qui peuvent se manifester donc, en fait, au niveau du visage. Alors, ces symptômes, on va dire, c'est une indication ben, générale en fait, on va les prendre comme des déséquilibres. Et en énergétique, on ne les regarde pas de la même manière. On ne regarde pas l'origine, en fait. Quelque part, ben, le sens, qu'est-ce qui a réellement causé hein, la problématique. On regarde la manifestation, non, de ces imperfections, quelles qu'elles soient, non, et on cherche où il y a l'affaiblissement de l'organisme. Alors, il y a les causes environnementales, les causes et les causes internes. Donc, voilà. Et ça, c'est dans l'interne, on va chercher en quoi c'est relié donc, à ces cinq énergies dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont influencer donc, ben, ce qui se passe au niveau de la peau. Et chaque problématique, en fait, alors je vais en donner juste quelques-unes, parce qu'on ne va pas tout passer en revue. Vous imaginez que les problèmes de peau, quand on l'étudie en médecine chinoise, c'est plusieurs gros volumes de la taille on va dire, de sorte de dictionnaire. Hein. Donc, bon, on ne va pas forcément tout aborder. Mais pour quelques-uns, on va dire quelques mots. L'acné, quand c'est surtout autour des sourcils, du front. Et qu'il y a en même temps voilà, des rougeurs et des congestions de la peau. Donc avec cette zone, c'est relié à l'énergie du bois et du foie et de la vésicule biliaire. Quand l'acné est plutôt sur le menton et la partie haute des joues, c'est relié à l'énergie de la terre. Quelquefois, il y a les deux, bien sûr, hein, forcément. Celle sur le nez, en tant qu'acné, c'est relié à l'énergie de feu. De même, pour toutes les rougeurs de la peau seront reliées, ben ça tout le monde le comprend, à l'énergie de feu. Tout ce qui est autour des yeux, que ce soit les rides, hein, les poches, les problèmes de gonflement, tout ça c'est relié à l'énergie de l'eau. On aura l'occasion d'en reparler. Les rides, donc plus prononcées aussi au niveau du front, il y a l'énergie de l'eau qui est concernée. La couleur de la peau, puisque la peau est reliée à l'énergie donc du métal, ben ça va être relié à cette énergie donc du métal liée avec le poumon, le gros intestin, et les boutons aussi qui sont reliés autour du nez sont en lien avec cette énergie du métal plus particulièrement. Donc voilà sur la cartographie, on va dire en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut voilà, voir au niveau bouton? Alors, j'ai parlé acné, mais c'est la même chose pour des manifestations donc, de boutons pour les zones. Hein. Voilà, c'est un lien pareil pour les mêmes choses. Et on va parler un peu plus là de l'éclat de la peau, de son aspect donc, en fait. Et l'éclat de la peau, ben, si la peau est terne, c'est que le chi de la personne est touché vraiment, donc le chi vital est touché et donc du coup le teint ne manifeste pas donc de la vitalité proprement dit. Donc là l'éclat voilà, change. On va voir quelque chose qui est au niveau de la couleur. Alors la couleur, donc, c'est un lien avec la qualité du chi et la qualité du sang, on dit. Et selon le teint, la dominante, que l'on ait la peau d'origine européenne ou asiatique ou nord-africaine ou autre, il y a un éclat, malgré tout, qui a une couleur, qui est ou vers le rouge, ou vers le vert, le jaune, le blanc, le noir. Voilà. Et ça, c'est un lien avec des problèmes
fonction énergétique. Donc, par exemple, un teint qui, je ne souhaite pas que ça arrive, qui tourne vers le vert, réellement, quelle que soit la couleur de la peau, se voit quand il y a un gros problème avec le foie, et quelle que soit donc vraiment la couleur de la peau. Et c'est assez bon, surprenant, mais oui. Voilà, quelle que soit la couleur de la peau, il y a un éclat de vert qui se manifeste donc sur le visage. Le rouge, c'est relié au cœur. Le jaune est par contre relié aux énergies de rate pancréas. À l'inverse, le blanc, qui va venir se renforcer, quelle que soit là aussi la carnation, c'est les énergies du poumon et du gros intestin. Qui sont touchés. Le noir, c'est le rein. Voilà. Et le blanc est aussi relié au froid, hein, au grand froid, puisque le sang se rétracte et le chi s'en va avec. Et alors, il y a quelque chose de très qui va vous, enfin, peut-être vous surprendre, mais c'est que quand on regarde un énergétique, donc quelqu'un, la joue droite, alors attention, nous à l'écran, on s'est opposé, donc la joue droite pour moi elle est là, c'est relié au poumon et la joue gauche c'est relié au foie. Voilà. Donc, selon comment on va voir, hein, on peut avoir des indications des fois sur une rougeur qui se manifeste d'un côté, de l'autre, voilà. Qui indique un certain nombre de choses. Alors, j'ai parlé du vert tout à l'heure. Ben, c'est en fait, c'est des grandes douleurs, c'est des amas de sang. Enfin, voilà, c'est des gros blocages qui se manifestent. Le rouge, bon, on sait que ça peut être alors, soit un yang apparent ou alors un feu vraiment hein, qui vient au niveau donc, du visage. Et par contre, la couleur jaune, elle signe l'élément que l'on appelle l'humidité qui envahit le corps. Donc, et du coup, le sang ne peut pas se manifester de la bonne manière et l'énergie est encombrée par l'humidité du dysfonctionnement, on va dire, de l'énergie de l'estomac et de rate pancréas et dont le teint est terne, froid, humide, jaune, hein, voilà, quelle que soit la carnation. Alors, on va aussi donner quelques indications quand les choses se passent au niveau des imperfections, donc des boutons enfin, ou autres manifestations sur le visage. Quand c'est autour de la bouche, c'est au niveau gros intestin, et relié aussi au niveau du poumon, hein, tout ce qui est juste autour. Mais ça peut être lié à des émotions de grande tristesse aussi. Voilà. Le tour des yeux, c'est vésicule biliaire, hein, en fait, qui est concerné, et c'est relié aux colères, à la culpabilité aussi, hein, tout ce qui va venir autour. Le nez, autour du nez, j'ai dit que c'était avec le cœur. Et donc, c'est des émotions souvent qui sont bloquées, qui n'ont pas pu s'exprimer, ou alors des chocs émotionnels. C'est un excès d'enthousiasme ou à l'inverse, un manque d'enthousiasme hein, qui peut se manifester à ce niveau-là. Au niveau donc, de la lèvre supérieure et du côté donc, des joues sur cette zone-là, on a donc l'énergie de rate pancréas qui se manifeste et de l'estomac. Et ça peut être relié aux soucis, au fait de ruminer, de trop penser. Ça peut se relier à d'autres choses aussi, mais au niveau des émotions, ça peut se traduire comme ça. Je parlais tout à l'heure du menton. Et on a aussi alors, le menton et juste le dessous, vraiment le dessous des yeux là. C'est relié au rein et ça peut être relié du cou parce que rein est relié au système osseux et aux problèmes dentaires. Donc, ça peut être relié aux problèmes urinaires, aux problèmes dentaires, aux problèmes osseux et à des angoisses.
Hein? Donc, voilà, sur ces zones-là. Ce n'est jamais le hasard si des manifestations de la peau viennent dans certaines zones. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hein? Alors après, bon, voilà, hein, on peut jouer au détective, essayer de retrouver ce qui s'est passé, mais c'est intéressant de le regarder, voilà, avec ses fonctions, de se dire que, bon, peut-être telle chose ou telle autre. Ça, c'est, voilà, une première approche. Alors, chaque élément dont j'ai parlé, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, vont interagir, hein, bien sûr, entre eux, pour que les choses, justement, soient au mieux. Il faut qu'il y ait la libre circulation dans des énergies, il faut que du yin, ça passe au yang, il faut qu'il y ait suffisamment de yin qui puisse venir au niveau de la peau, ben justement, pour pas qu'elle soit trop sèche. Il faut qu'il y ait le yang qui puisse donc venir aussi pour qu'il y ait l'éclat. Hein, voilà. Donc tout ça doit être en équilibre pour la partie yin et yang. Et dans les cinq énergies, c'est la même chose. Il faut que ce soit équilibré pour que la manifestation soit le mieux possible. Alors, dès que quelque chose, effectivement, crée une imperfection, on va essayer de trouver quel est le signal qu'elle veut nous donner, en fait, au niveau énergétique. Voilà, quel est le signal? Alors, soit on le connaît, puisque je viens de vous donner quelques clés avant, c'est-à-dire vous avez une infection urinaire, mettons, et vous découvrez qu'en même temps, bon, il y a des choses dont juste sous les yeux et au niveau du menton. Ben, vous pourrez vous dire, c'est dans la logique, parce que voilà, il y a un problème d'infection urinaire, hein, par exemple. Ou vous avez un virus qui s'est déposé sur les poumons ou autre, et ça se manifeste donc dans les zones que l'on a évoquées. Donc voilà, là on est dans la logique. Quelquefois, bon, en fait, vous n'aurez pas vraiment de réponse, c'est dans le sens où c'est pas l'endroit, mais c'est, voilà, il y a une manifestation qui vient, il y a tout un système qui s'est déréglé, hein, en fait. Donc, par exemple, pas assez de yin au niveau de la peau, mais parce que ben, il manque donc du yin dans le corps, parce qu'il est accaparé autrement, en fait. Avec des œdèmes qui se manifestent dans d'autres zones du corps, ou parce que l'eau sert à éteindre le feu du cœur parce qu'il y a des problèmes cardiovasculaires, hein, par exemple. Tout ça, bon, peut expliquer que du coup, cette partie yin, donc, qui hydrate donc la peau naturellement, n'est pas au rendez-vous au niveau superficiel parce que elle est ailleurs, en fait, tout simplement. Alors, quelquefois, on peut se poser la question, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'est-ce qui se passe par ailleurs? Ça peut être donc aussi intéressant. Et pour les problèmes de cicatrisation, alors, quelle que soit l'origine, effectivement, une piqûre d'insecte ou bouton qui est déjà là parce que c'est le foie, le gros intestin, l'acné, ou un eczéma ou autre. S'il y a un problème de cicatrisation, ben c'est qu'il y a un dysfonctionnement en fait de toutes les énergies donc du corps et qu'il n'y a pas la force donc de réparer en fait. C'est qu'il n'y a pas voilà la force vitale pour venir réparer en fait. Donc la cicatrisation est en lien avec la force vitale en réalité. Voilà, la qualité, on va dire, du chi et sa puissance. Voilà, sa qualité et sa puissance. Voilà, c'est que ben, il n'y en a pas assez, voilà, et, ou qu'il est accaparé autrement, voilà, ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est. Est-ce qu'il en va de même pour le fait de marquer plus qu'avant? Demande Esmeralda, c'était aussi la suite de sa question. Marquer, c'est-à-dire peut-être, je sous-entends, hein, j'espère que c'est ça Esmeralda, mais
mais d'avoir peut-être des bleus, bah, que la peau marque davantage s'il y a un coup, etc. Alors, si c'est des ecchymoses au niveau de la peau, c'est un lien avec le sang, par contre. Oui, ça, c'est un lien avec le sang. Si c'est de la cicatrisation ralentie, c'est un lien avec le chi. Mais il peut y D'accord. avoir effectivement ben, les deux. Les deux. D'accord. Et Mercedes demande pour éviter les taches brunes en prévention. Alors, pour éviter les taches brunes, il faut mettre de l'écran solaire parce que c'est un problème avec la mélanine et avec le soleil. Voilà. Donc là, il n'y a pas de. La prévention, ben c'est la protection. C'est garder le chapeau, si on n'a pas de crème, hein, voilà, faire de l'ombre au-dessus du visage, hein, voilà, pour ne pas avoir. Vous savez que pour avoir le teint donc très, très clair, elle se cachait avec des ombrelles. Hein, en plus des grands chapeaux, vous connaissez les chapeaux chinois, hein, quand même, voilà, hein, bien pointus et bien larges, voilà, ou japonais, et les ombrelles, c'est les attributs, voilà, pour garder une peau pas marquée, puisqu'il n'y avait pas les crèmes, effectivement, de défense, exactement comme maintenant, même si mélanger du talc hein, pour faire écran, voilà, à certains cosmétiques. Mais voilà, c'est on ne peut pas faire de la prévention autrement. Merci Daniel. Et justement, pour aller plus loin par rapport à la peau, pour résoudre ces imperfections de la peau, tu nous proposes quatre ateliers à venir. Et alors, je vais donner des indications dans les grandes lignes, mais vraiment, ces quatre ateliers vont passer en revue les différentes imperfections de la peau. Tu vas revenir dessus prochainement. Donc c'est vraiment par rapport aux peaux sèches, un atelier aussi par rapport aux peaux grasses, un atelier par rapport aux boutons et à l'acné, et de même un autre pour aller plus loin par rapport à toutes les imperfections, donc boutons, acné. Ça, c'est quatre ateliers que tu nous proposes à suivre. Donc le 28 septembre, le 12 octobre, le 2 novembre et le 16 novembre à 20h30. Et il y a une particularité là que tu nous offres, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité, bien sûr, comme d'habitude, de participer à ces quatre ateliers qui sont en lien avec le fait de magnifier sa peau. Voilà, et comme d'habitude, eh bien, tous les ateliers seront accessibles en direct et en replay, et vous pourrez les télécharger et à un prix aussi beaucoup plus accessible pour vous permettre, eh bien, d'y accéder. Et la particularité, là, c'est que cette thématique avec les quatre ateliers fait partie d'un pack que tu as appelé le pack beauté. Et dans ce pack beauté au complet, il y a quatre thématiques dont la thématique de la peau, mais pas que. Il y a aussi magnifier son regard, garder la jeunesse de son visage, magnifier ses cheveux, et puis deux bonus par rapport aux réactions de la peau et puis aux ongles aussi sublimés qui ne sont accessibles que dans le pack beauté. Donc vous avez la possibilité, si vous voulez aller plus loin, si vous savez que déjà les autres thèmes vous intéressent, pour vraiment aller plus loin dans votre beauté et vous remettre en beauté là ces prochains mois, eh bien vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de participer donc à tous les ateliers du pack beauté, ou bien si vous préférez simplement pour la peau, eh bien de prendre les quatre ateliers pour magnifier votre peau. Voilà pour les informations très pragmatiques. Je vais te laisser revenir dessus. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est très simple. Je vais vous mettre le lien là dans le chat. Et pour toutes les personnes qui vont nous regarder en replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, le replay est en haut. Mais par contre, pour s'inscrire aux ateliers et au pack beauté, c'est en bas de la page. Et pour YouTube, eh bien, le lien pour s'inscrire aux ateliers,
Pareil, c'est en bas dans la description. Voilà pour les informations pragmatiques et je vais te redonner la parole, te laisser la parole, Daniel, pour nous dire qu'est-ce qu'on va voir durant ces quatre ateliers, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre par rapport justement à la magnificence de notre peau. Alors, tout le pack, de toute façon, sera toujours basé sur les cinq piliers de la médecine traditionnelle chinoise. On en utilise quatre dans chaque partie pour rétablir l'harmonie, en fait, quel que soit ce que l'on veut trouver. Alors, ces piliers, c'est lesquels? On a l'habitude en Occident de connaître l'acupuncture, donc l'acupuncteur, des choses qui se font chez l'acupuncteur. Mais en réalité, ce n'est qu'un pilier, voilà, et ce n'est pas le prépondérant, il faut savoir, en Asie. Il vient quand les autres sont en échec. Voilà. Nous, justement, on repart comme dans la tradition, c'est-à-dire on va utiliser les quatre autres pour pas qu'il y ait de l'échec. Donc, on va dire, on va être autonome avec quatre piliers pour éviter l'échec et pour éviter d'être à aller consulter, on va dire, pour des choses voilà, que l'on pouvait améliorer. Alors, c'est quoi ces quatre autres piliers? Donc, au-delà donc de l'acupuncture, ben, celui qui est très, très important en Asie et qui est un socle, c'est la partie du choix des aliments selon les lois du yin, du yang et des cinq éléments. Et donc, on aura l'occasion de l'aborder par tous ces ateliers de différents points. Les conseils ne seront pas les conseils classiques hein, d'Occident, que ce soit pour les poches sous les yeux quand on abordera ça, ben, le Pâques. Et là, les problèmes d'acné ou le vieillissement du visage ou les ongles, ben, le bonus. Mais on aura des indications spécifiques selon les lois ben, du yin, du yang, mais surtout des cinq éléments avec les saveurs des aliments, ben, plein de choses. Donc ça va être une partie que je donnerai dans les ateliers. L'autre partie, c'est les automassages de points d'acupuncture. Donc en fait, on devient autonome, on peut pratiquer, donc il y aura des protocoles dans chaque catégorie, donc pour la peau sèche, pour la peau grasse, là pour les boutons, puis après pour les autres ateliers, ce sera pareil, il y aura des protocoles. Et en utilisant les doigts, donc pour aller appuyer sur des points que l'on va voir très précis, c'est important de le souligner parce que on offre. Moi-même et Académie Nouvelle Vie, on offre chaque fois un PDF, donc un document que vous pourrez imprimer et que vous pourrez garder, transporter avec vous en voyage ou ailleurs, voilà, ou avoir sur votre téléphone en allant rechercher. Il y a un PDF qui est donné avec les points, donc la situation des points et d'autres indications, des bons plans hein, dont je ferai part aussi. Pour choisir des cosmétiques naturels, pour répondre. Voilà, donc ça aussi, c'est un autre cadeau qui est fait en plus du support. Donc, vous aurez voilà, l'opportunité de découvrir quoi faire concrètement. Le troisième pilier dont je veux parler, c'est la phytothérapie, c'est-à-dire c'est l'utilisation des plantes, mais pas n'importe lesquelles, selon les lois du yin et du yang, là aussi. Et laquelle choisir pour telle problématique ou telle autre. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des ateliers. Et enfin, donc dernière thématique, donc en plus de l'acupuncture, hein, non, quatrième, mais le plus un, non, c'est les exercices de Qigong. Alors les exercices de Qigong, là, sont faits et choisis. Pour tonifier donc des énergies, des méridiens en particulier, pour répondre à des problématiques que l'on abordera, soit en lien avec ben, les énergies du foie, les énergies du rein ou autres. Les exercices viendront comme un médicament, si vous voulez, en fait, quelque part énergétique, corrigé en amenant de l'harmonie dans le corps,
les déséquilibres qui se manifestent d'une manière ou d'une autre au niveau de la peau. Donc, on aborde, vous voyez, vraiment d'une manière très particulière tous les problèmes dont on voudra se débarrasser ou transformer, hein, que ce soit dans cette partie ou dans tout le pack beauté, ce sera toujours sur les mêmes critères. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Donc, si vous voulez nous rejoindre lors de ces ateliers pour commencer sur la peau et pour aller plus loin dans ce pack beauté, toutes les informations sont dans le lien dans le chat ou en dessous en description. Alors, est-ce que tu me permets de te transmettre deux, trois questions? Oui, vas-y. Alors, c'est toujours par rapport aux taches brunes. Donc, la prévention, on l'a vu, hein, chapeau, écran solaire, etc. Et pour les amoindrir, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire, demande Ève. Alors, pour les amoindrir, ben, en fait, c'est juste les choses qui sont connues, c'est-à-dire on va essayer d'éclaircir, hein, avec dans des éléments extérieurs, mais qui sont connus, c'est-à-dire c'est le citron, hein, par exemple, donc qui est connu. Mais comme c'est à l'intérieur de la peau, les mélanocytes, dans leur fonctionnement, qui sont touchés, on ne peut pas aller plus loin, en fait. Voilà, on ne peut pas, ce n'est pas un déséquilibre, là. C'est carrément une fonction qui, si vous voulez, a disparu. C'est un vrai handicap, quoi, si vous voulez, quelque part. Hein. Et au niveau de la peau, elle n'a plus les quantités à l'intérieur pour se défendre. Et ça s'est regroupé de manière anarchique sur certaines zones. Hein, en fait, voilà, c'est ce qui se produit avec les taches brunes dues au soleil et au vieillissement. Par contre, les taches, on peut prévenir qu'il n'y ait pas la manifestation, c'est-à-dire avant que les manifestations de taches de vieillesse, là je parle, hein, pas les taches brunes de soleil, mais de vieillesse, comme les rides se manifestent, ben ça on le verra dans les ateliers qui concerneront la jeunesse, le maintien de la jeunesse, hein, au niveau de la peau, mais qui impacte oui. Tout le corps. Voilà. Oui, ça c'est la troisième thématique du pack beauté. Oui. Tout est détaillé dans le lien. Si vous voulez y voir encore plus clair et avoir plus d'informations, tout est détaillé dans le lien. Ce qu'il y a dans le pack, donc les quatre thématiques qui contiennent les 12 ateliers plus les deux bonus, tout est bien détaillé. Et pareil pour si vous souhaitez simplement participer aux quatre ateliers là concernant les imperfections de la peau. Guy demande bonsoir. Depuis de nombreuses années, je rencontre des problèmes d'urticaire qui se manifestent à différents endroits du corps. Cela revient régulièrement, mais rarement au même endroit. Alors bon, c'est pas le propos ce soir dans le sens où bon, on est plus centré sur la tête, hein, on va dire, voilà, et le pack beauté est centré sur la tête. Mais il faut savoir que tout ce qui est urticaire et tout ce qui est en mouvement, c'est-à-dire qui se déplace et qui n'est pas tout le temps au même endroit, on appelle ça un vent, hein, derrière, c'est relié aux énergies du bois et de la vésicule biliaire. Voilà. C'est des disharmonies qui touchent cette partie. Donc, au moins, cette partie est touchée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres parties qui énergétiques, hein, il peut y en avoir d'autres donc qui soient en cause. Mais tout ce qui bouge, voilà. C'est un lien avec ce qu'on appelle le vent. Et voilà, D'accord. Merci, Daniel. Alors, revenons justement aux imperfections au visage, à la peau du visage, puisque c'est le thème ce soir, et comment justement les gommer. Et quatre ateliers suivront pour détailler tout cela et retrouver aussi, eh bien justement, une peau plus agréable, on va dire sans imperfection, et plus équilibrée par rapport au fait d'avoir la peau sèche, la peau grasse, etc. Tu nous avais concocté aussi, alors je ne sais pas si ça vient maintenant ou après, mais
Des petites pépites, est-ce que c'est le moment? Ok. On peut parler effectivement des petites pépites donc, que vous allez pouvoir utiliser. Mais je veux au préalable donner quand même une indication. La première indication, c'est qu'au niveau de tout ce qui est au niveau de la peau, il y a la notion de cosmétique qui va être utilisée et on aura l'occasion d'en parler dans les ateliers. Donc, il vient par voie externe. Par voie interne, donc, il y a l'alimentation, les plantes, mais vu avec l'énergétique, où on vient à l'interne. Il y a les appuis donc, sur des points qui ramènent l'harmonie dans tout le corps. Et il y a les exercices donc, de Qigong qui rééquilibrent aussi l'organisme. Et c'est parce que l'on va, je vais insister, c'est parce que l'on va utiliser tous ces outils que l'on va avoir une peau. Alors, c'est la baguette, elle est magique, mais à condition de les utiliser. Voilà. Et que la peau va pouvoir manifester donc son éclat et manifester donc on va gommer, hein, comme on a dit au début, hein, on va gommer les imperfections, puisque petit à petit les énergies vont se rééquilibrer. Et du coup, la peau ira mieux. Mais c'est pas, on ne va pas pouvoir, par rapport aux petits secrets. Donc là, les petits secrets, oui, c'est bien parce que c'est des petites choses que l'on peut mettre. Le reste, c'est une construction, hein, en fait, de rééquilibrage, de réharmonisation. C'est un peu comme si on allait refaire dans une maison vraiment des travaux pour que la maison elle soit bien. Ben là, c'est pour que la maison visage, on va dire, voilà, aille bien. Ben on va rentrer à utiliser plusieurs choses. Voilà. Je voulais, voilà, hein, que ce soit clair sur la différence. Alors, la première pépite, c'est l'utilisation de quelque chose de particulier. Et là, que l'on peut trouver dans les magasins chinois, c'est l'orge chinoise. Voilà. Parce que, bon, il y a plusieurs qualités d'orge, comme il y a plusieurs qualités de blé, plusieurs qualités de riz. Voilà. Les graines d'orge chinoise peuvent s'intégrer, mélanger donc avec du riz, par exemple, ou en soupe. On les trouve dans les magasins asiatiques, hein, en fait, mais elles sont donc avec une qualité et une richesse donc de certains éléments qui font que tout ce qu'elles apportent permettent de chasser tous les éléments, on va dire, d'humidité inappropriée du corps. Hein, parce que ça ne va pas agir qu'au niveau de la peau, bien sûr, mais qui sont responsables de tous les gonflements et les affaissements du visage par le gonflement, puisque si ça gonfle, ça pèse, et donc ça fait un affaissement, non? Et les graines d'orge détoxifient le corps aussi. Donc c'est un peu une panacée, si vous voulez, hein, les graines d'orge chinois. Ça va servir pour aussi bien pour les cernes, que pour les taches brunes, puisque forcément, voilà, tout va lutter contre le vieillissement, hein, par les apports qu'il va y avoir. Et on peut l'intégrer, cette idée d'utiliser les graines d'orge chinois, je précise bien, donc à n'importe quel plat. Voilà. Vous l'ajoutez, vous en achetez. Vous faites cuire comme c'est indiqué sur le paquet et vous pouvez le mettre dans la soupe, vous pouvez le mettre avec votre riz, avec vos légumes, le midi, le soir, quand vous voulez. Voilà, c'est une panacée, vraiment. Voilà, vous savez que ça va servir à tout, ça ne peut faire que du bien. Voilà, on va dire. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, je dirais, mais par contre, de le faire souvent. Voilà, vous pouvez en préparer et vous dire, voilà, que vous. Alors, il faut faire attention, donc voilà, si vous le rajoutez, c'est quand même donc un féculent. Ben, si vous devez en manger, mettons, 2 cuillères, ben, vous réduisez de 2 cuillères avec quoi vous le mettez. Vous enlevez 2 cuillères de riz, ou de pâtes, ou de pommes de terre, voilà, hein, pour pas avoir des problèmes après de poids, hein, on va dire. Hein. C'est un ajout, hein, voilà, les graines d'orge, mais c'est vraiment, ça fait énormément
de bienfaits. De bienfaits, voilà, et c'est tout simple et ça peut faire du bien, mais à toute la famille, du coup. Hein, voilà. Ça va servir aux ados, ça va servir à quelqu'un qui est en âge donc ben, plus avancé, période de ménopause, un homme, une femme, ça va servir à tout le monde. Donc c'est pour ça, c'est pas très connu, mais voilà, chercher les graines d'orge chinoise, voilà, l'orge chinoise, voilà. Préciser, ne prenez pas l'orge ordinaire, elle n'a pas du tout les mêmes vertus, même si elle en a beaucoup, elle n'a pas les mêmes. Voilà pour la première pépite. Et donc, on va voir la deuxième. Donc, en fait, alors la deuxième, c'est de masser le visage. On va voir ensemble, donc, en insistant donc sur les points d'acupuncture du visage. Alors ça, vous allez sur Internet, vous cherchez point d'acupuncture visage, tout simplement, vous prenez un miroir et vous, voilà, vous touchez les points, voilà, vous faites des choses sur les points d'acupuncture. Même si vous ne connaissez pas grand-chose, ben le fait d'aller travailler sur les points ben, va avoir voilà, un impact. Alors, je vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande de le tester. Et en fait, ce que je conseille d'habitude, c'est que pour voir les améliorations, de ne le faire que sur une zone du visage. Par exemple, vous dire, je le fais pour le front. Et pendant un mois, ben, voilà, je ne sais pas, moi, quelquefois dans la semaine, vous faites tous les points que vous trouvez et qui existent donc, au niveau donc, du front. Et vous voyez ce qui se passe. Et après, quand vous serez convaincu, ben, vous ferez votre petit rythme. Vous ferez ben, ou tout le visage, ou vous ferez tantôt les joues, tantôt vous suivrez quelque chose. Voilà. Mais c'est voilà, c'est d'avoir une action sur les points que vous voilà, que vous pouvez donc trouver. Voilà. Et il y en a tout plein au niveau donc, du visage. Alors bien sûr, on peut se le faire faire dans des centres d'esthétique, c'est-à-dire bon, être allongé et laisser la personne nous le faire, mais on peut reprendre aussi l'autonomie. De le faire soi-même, ou bien on peut organiser à la maison, en famille, hein, voilà, de le faire les uns sur les autres, avoir une séance voilà, de massage en utilisant les points. Et c'est, je trouve, un très bon plan à pratiquer en famille ou entre amis. Aussi, entre copines, copains, voilà, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Alors, il vaut mieux pratiquer les appuis sur les points avant de poser les cosmétiques, puisqu'on relance une fonction. Voilà, de toute façon. Merci. On a fait le tour des pépites? Ah non, il y en a encore. Ah, voilà, c'est ce que je me disais. Il y en a encore une normalement. C'est Voilà. ça? Alors, il y en a une donc qui est à utiliser, c'est utiliser le faire de la gym au niveau de la peau. Et donc, ça, c'est utiliser le chaud et le froid. Ce qui veut dire que, bon, quand vous vous occupez de votre peau le matin et le soir, alors déjà, bon, une indication, alors ça, c'est pas du tout chinois, mais c'est une indication, la peau se régénère la nuit, la fonction de régénération de la peau, elle est la nuit. Donc, si vous avez un cosmétique qui doit régénérer la peau, traiter la peau, ben, ça s'utilise le soir. La journée, c'est fait pour être dans la protection, on va dire. Mais il y a quasiment rien qui se passe au niveau régénération.
La régénération se passe la nuit. Donc ça vaut mieux, voilà, vaut mieux savoir effectivement. Donc la peau, quand on s'en occupe, ce qui veut dire que le matin, quand on nettoie la peau, c'est aussi important que le soir. Le soir, vous êtes dans l'idée que vous enlevez la pollution que vous avez pris dans la journée, hein, les poussières, tout ce qui s'est pas, tout ce que vous avez eu, hein, donc au niveau du visage, quand vous avez l'impression, voilà, de nettoyer, c'est important. Mais le matin, ce que vous nettoyez au niveau du visage, c'est les cellules qui se sont régénérées et qui donc sont évacuées. Donc en fait, si vous voulez, vous videz la poubelle le matin en nettoyant de ce qui s'est passé la nuit. C'est-à-dire les cellules jeunes sont venues remplacer les vieilles et ce que vous nettoyez, c'est les vieilles cellules et donc vous videz la poubelle. Donc, il faut nettoyer et le matin et le soir. On aura l'occasion d'en parler dans l'atelier pour être adapté, hein, aux problèmes de peau, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Mais déjà, matin et soir, parce que c'est important, et dans le chaud et le froid. Alors, le chaud et le froid, on commence toujours par le chaud. Donc, on nettoie et on peut poser, prendre, réserver un gant de toilette, rien qu'à y mettre de l'eau chaude, et on applique sur le visage. Dès que ça commence à refroidir, on prend un petit vapeau. Donc, vous faites un petit vapeau que vous achetez, soit pour faire le frais, on a maintenant l'habitude, voilà, avec les grosses canicules. Et vous envoyez un pchit, donc, sur votre peau. Ça, on verra dans les ateliers ce que l'on peut utiliser, effectivement, mais ça peut être tout simplement de l'eau. De l'eau normale, hein, mais qui est froide, qui est fraîche. Donc vous gardez votre vapeau, vous ne le gardez pas à la salle de bain au-dessus du radiateur. Vous gardez votre vapeau, soit il est au fond du placard, il ne se réchauffe pas, soit vous systématiquement, vous le prenez à la cuisine en le sortant du réfrigérateur. Et je vous assure, faire chaud et faire froid, ça ne se voit pas immédiatement. Mais c'est ce qui fait que la peau garde, par une gymnastique, matin et soir, un rythme d'activité et qui va faire qu'au fil des années, votre peau, restera plus jeune de par cette gymnastique chaud-froid. Alors, ça ne marche pas parce qu'on le fait pendant 3 semaines, une année. Ça marche parce qu'on le fait tous les jours, pendant toutes les années. Voilà. Donc voilà. Merci pour cette précision. C'est la régularité sur de longs termes. Eh bien, merci Daniel pour cette belle conférence. J'ai pas l'impression qu'il y a plus de questions là. Je pense que surtout les réponses aux questions et pour aller dans les détails sur comment justement gommer ces imperfections et améliorer au niveau justement des causes de ces imperfections vont être abordées lors de ces 4 ateliers que tu nous proposes. Donc, on se retrouve tout prochainement, jeudi 28 septembre à 20h30. Pour commencer justement à magnifier l'éclat de la peau avec la médecine traditionnelle chinoise. Et on va commencer avec les peaux sèches. Donc, on se retrouve le 28 septembre pour tous ceux et toutes celles qui sont intéressés. Vous avez toujours le lien dans le chat ou juste en dessous pour les personnes qui regarderaient en replay dans la description ou en bas de la page. Pour nous rejoindre et sachez, rappelez-vous que tous ces ateliers, eh bien, sont accessibles et téléchargeables après en replay. Voilà, donc c'est possible en direct si vous êtes disponible et en replay si vous ne l'êtes pas. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité dans votre espace personnel d'avoir accès au mail aussi de Daniel si jamais vous regardez en replay et qu'il y avait des questions qui venaient.
Voilà pour les informations. Nous arrivons au terme de cette conférence. Et Daniel, je propose eh bien, de nous dire un dernier mot pour conclure. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est par rapport au pas de beauté, c'est que tôt ou tard, on est effectivement confronté à des problèmes de boutons. C'est vrai, effectivement, hein, d'imperfections au niveau de la peau. Mais inévitablement, je dirais, on est confronté au vieillissement, donc à l'idée de garder de la jeunesse. On est confronté avec les cheveux. Et on est confronté avec donc les yeux, le regard, les paupières donc gonflées, les ridules, les poches sous les yeux, les cernes, quelle que soit l'origine, et se dire que vraiment c'est voilà un magnifique coffret qui va servir, mais pendant des dizaines et des dizaines d'années, voilà, et que c'est vraiment un fabuleux cadeau à se faire parce que là, c'est de l'autonomie. C'est, on va, voilà, on va faire tout seul. On va aller retrouver ce qui sera utile directement au moment où on en aura besoin. Voilà. Tout à fait, et c'est intemporel. Comme tu le dis, on peut le garder des années. De toute façon, les points ne changent pas, les exercices non plus. Donc, c'est intemporel. Ça vaut pour vous dans le temps. Eh bien, merci, Daniel. Merci à vous tous pour votre présence. Et je vous dis à bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et belle soirée à vous ou belle journée pour les personnes qui nous regarderaient en replay. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.